Notre histoire insolite, Charles. On part aux États-Unis avec cette Américaine qui découvre qu'elle est recherchée depuis 20 ans à cause d'une cassette VHS. Alors on va d'abord expliquer pour les plus jeunes, Louise, qui est une cassette VHS. C'est gentil. C'était avant Netflix, c'est même l'ancêtre du DVD. Et figure-toi que jadis, on pouvait même louer ces cassettes VHS dans des magasins qu'on appelait des vidéoclubs. Wow. Tu pourras peut-être trouver des images sur Internet, des archives. Ce qui nous amène donc à la mésaventure de cette Karen McBride, quinquagénaire américaine, qui a tenté récemment de changer son nom sur son permis parce qu'elle vient de se marier. Impossible, lui répond l'administration, car vous êtes accusée de détournement de fonds. Elle apprend même qu'elle est activement recherchée par la police de l'Oklahoma. En cause, une cassette vidéo qu'elle aurait oublié de rendre il y a 22 ans dans un vidéoclub. Soyons précis, il s'agit d'un épisode de la sitcom Sabrina l'apprentie sorcière. Entre-temps, le vidéoclub a évidemment fermé, comme tous les vidéoclubs, mais la vie de recherche est restée active pendant tout ce temps. Karen a alors mieux compris pourquoi pendant toutes ces années, elle avait essuyé des refus incompréhensibles de la part de plusieurs employeurs potentiels. Ceux-ci avaient accès à son casier et donc à ses accusations de détournement de fonds. L'affaire a fait le tour des médias américains et face à l'absurdité de la situation, le procureur de l'Oklahoma a fait tomber les poursuites. En revanche, pas de nouvelles de la VHS. Et on apprend au passage que pour que les employeurs peuvent avoir accès aux casier ouais. judiciaire aux États-Unis. Ouais, alors ouais. C'est ce qui me sidère le plus dans cette histoire. Oui. Merci.